Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canada qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Rookie Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Et là, je vais être prêt à te traiter de S-A-L-O-P-E si tu fais ça. Mais gentil. Gwen a été banni du chat. Il y a un symbole inscrit dessus. Bon, faut mettre ça à la bonne place. Il bouge. Et je suis smart du premier coup. Ah, je crois qu'on progresse. Toi, tu crois trop. Il y a un soleil. Soleil se lève. Là, ouais, je... Ben non, c'est parce que j'avais déjà lu le message. Elle disait, le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. Donc ça dit ça. La cadence là, il y a l'inscription. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest plutôt. Allô. La louve entame sa poursuite de soleil à l'aube et la chasse jusqu'au cou. Que la louve regagne la tanière souveraine. Thank you.
C'est pas son premier jeu de rôle, non. Mes jeux préférés. Ça me montre que je suis supérieur à la masse. Ok, là, je viens de comprendre. En les bougeant, il y a... Je bouge celui-là, ça tire celui-là. Quand je tire lui... Je tire lui. Je tire lui. Et on joue à rien, là. Ok, je vais lire de nouveau. Le canon solaire, il y a une inscription, ça s'en fout. La louve entame sa poursuite du soleil à l'aube et la chasse jusqu'au couchant. Plus que crépuscule, que la louve regagne sa tanière s'ouvre. Non. Pour essayer, mon cerveau va s'allumer. Ah, ça là. Sa poursuite du soleil à l'aube et la chasse jusqu'au couchant.
pense que j'ai besoin d'indices. Tu penses que mon cerveau fonctionne pas assez bien. On a réussi, ça s'ouvre. Wow. Ça a l'air un escalier dérobé. Ça vous conduit. Est-ce que ça va nous conduire jusqu'à l'ars? Le cadran secret est terminé. Il n'est pas entièrement ouvert. Oh, trop bas pour moi, bah. Trop bas. Tov, ne pas. On va peut-être trouver un autre passage, Tov. Sois prudent. Je suis un cerveau inconsolable. Je vais l'ajouter à ma connexion. Les as-tu toutes pognées, toi, ces niaiseries-là? Ah bon? Je me demandais qui tu... Est-ce que la créature... était humaine autrefois. Je suis désolé pour ce qui t'est arrivé. Et ta grosse face laide. Je suis arrêté. Jackson de j'emprunte ta bague. J'en prendrai bien soin de ta grosse face de merde. Pas dans ces chansons, j'avoue. On va essayer de terminer ça rapidement. Après ça, on va tester un nouveau jeu. Le jeu du païen. Parfaitement, j'ai entendu un clic. Ça a marché! Ça a marché! Ça a marché! T'as déjà fait le premier Resident Evil, Gwen? Les portails sont enfin ouverts, on a réussi! On a réussi! Joueuse, collectif, nouvelle, indigne, débloqué, insigne débloqué. Dis-toi, si t'avais déjà joué Resident Evil 1, je serais à nouveau ruiné après ça.
Je suis plus action dans les jeux. Je pense qu'il n'y a pas d'action dans Resident Evil 1. Le 1, c'est plein de... C'est plein d'énigmes et tout. Le niveau 1, je trouvais l'histoire était belle. Le 1, le 0, puis le 3, le 2. Il m'entend, Lars! Lars! Je connais pas les jeux Resident Evil, il y a des films là-dessus. C'est un jeu de zombies, par exemple. C'est la tour là-haut, je suis sûr. Papa, on l'a trouvé. Toi, ma petite Tove. J'ai l'impression de te retrouver après trop longtemps. Comment puis-je te laisser continuer seul? Mais Lars, il n'y a pas d'autre moyen. Tu peux compter sur moi pour te hisser, petite Tove. Je ne sais pas si tu peux m'entendre bien. Depuis la mort de ta mère, j'étais perdu. Toi et moi, on s'est retrouvés ici, dans le plus improbable des endroits. Je vais rester là pour vous entendre. T'attendre tous les deux. Je viens voir Papa Ours, ma petite Tove. Ma fabuleuse chérie. Je ne veux pas passer un autre moment sans te voir grandir. Je suis le plus fier des pères, ta mère l'aurait été aussi. Je t'aime. Je t'aime aussi, papa. Bon, jette-le dans le trou, débarrasse tout ça, ça coûte trop cher des enfants. Tove! Tove! Lars! Lars, tu es là! Lars? Non, faites que je n'arrive pas trop tard! Tove? Lars, réveille-toi, c'est moi, Tove, ta grande sœur! Papa. Sœur? Allez Lars, tu ne peux pas me lâcher comme ça. Un pas de plus. C'est vous, hein? Qu'est-ce que vous avez fait à mon frère? Désolé mon enfant, tu arrives trop tard. Tes efforts ont été vains.
J'ai besoin de lui, il est trop tard pour arrêter le sortilège. Non, je refuse. Tu aimes ta famille. Tu ne recules devant rien pour lui venir en aide. Nous avons cela en commun. Mais contrairement à toi, je n'échoue pas. Ramène-le, je vous en supplie. Prenez-moi à la place. T'es un enfant remarquable, c'est vrai. Et là, je ne peux pas accepter. Mais ton frère est véritablement spécial. Pour une raison que j'ignore, il est unique. Quand sa force vitale sera liée à Rocky, mon fils sera enfin humain. Le rite est pratiquement terminé. Et grâce à lui, lui seul, là, tant d'autres nous ont fait défaut. Tous ces enfants que vous avez volés avant Lars, vous voulez dire? J'ai vu le mémorial. Il ne vous en a pas fait défaut, vous les avez tués. C'est un mal nécessaire. Mon fils doit avoir la vie qui lui est due. Gardien, aidez-moi, je vous en prie. Ils sont impuissants ici, tu les seuls. Rocky, laissez Rocky tranquille. Lars? Tove, tu te rappelles Rocky à la maison tous? Ouais, c'est mon ami maintenant. C'est cette chose qui t'a enlevé. Elle l'a forcé. Elle veut en faire ce qu'il n'est pas. Personne ne veut l'aimer tel qu'il est. C'est un monstre. Mon fils sera humain, alors il sera libéré de cet endroit. Quel qu'en soit le prix, en vie humaine ou pour moi. C'est vous le monstre. Je suis une mère. Pour y parvenir, j'ai pris les pouvoirs des autres Jotar. Jotnar, à présent, je sacrifie les miens. Et la vie de Frey le garçon, pour mon fils, n'est-ce pas l'amour? Non, Lars. Tu veux voir un monstre? Regarde, Gwen. Ça, c'est un monstre. Je vais te montrer. Cet endroit. C'est ça, le sentier forestier. Celui qu'on ne prend jamais. Papa, tu es là? Ah, mon Dieu, la fin de l'histoire. Non, pas ça. Pas une nouvelle fois. Je ne peux pas, je ne peux pas. Maman. Mais bon, Eva. Je vais aller chercher de l'aide. Il y a un téléphone public. Sur le sentier forestier, il faut que je l'atteigne. Ah. Henrik, ne me quitte pas. Eva. Mais... Vite, Tove, trouve le appel de l'aide. Que se passe-t-il? Satané téléphone! Dépêche-toi, je t'en prie! Petite Chris! Il est temps que tu découvres celle que tu es vraiment. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Après tant d'efforts pour oublier, je ne veux pas me rappeler. Je dois trouver le téléphone. Je dois trouver le téléphone. Je dois trouver le téléphone magique. Il est bien fantastique. Le petit téléphone voyeur rempli de ses belles fleurs. Hein? Non, non, non. Où est-il passé? Tove, trouve le téléphone, ta maman a besoin de toi. Je ne comprends pas. Pourquoi vous me forcez à me rappeler de ça? Elle pleure. Comment se fait-il que tout le monde te quitte, Tove? Pourquoi donc, hein? Non, ne dites pas ça. Maman, ne l'écoute pas.
encore disparu. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que je fais? Maman? Bobé, qu'est-ce que tu fais planter là? Trouve le téléphone, petite sotte! Ça ne sert à rien, il disparaît toujours. Pourquoi je suis venu ici? Pourquoi ne l'aides-tu pas, Tove? Ça suffit. Qu'est-ce que c'est que ça? Sonnerie. Il est de ce côté. Hein? Le téléphone, c'est bon, maman. C'est tout prêt, je l'entends. Il ne disparaît pas. C'est comme ça que ça s'est passé. Je ne me rappelle plus. Allô? Tout est de ta faute, Tove. Quoi? Tu ne l'as pas aidé. Pourquoi tu ne l'as pas aidé? Mais je l'ai fait. Je l'ai fait, non, je me rappelle plus. C'est des pleurs de bébé. Lars? Bébé Lars, il faut que je rejoigne. Voilà la réponse, tu ne la vois pas? Un enfant est né de la forêt. Né de la forêt. Tous ceux qui naissent dans les confins de la forêt portent sa magie. Précisément ce qu'il fallait à mon Rocky. C'est grâce à toi et toi seul. Maman, papa? Laisse tranquille. Tu es une malédiction envoyée détruire notre famille. Non, maman. Nous sommes tous morts. Moi, ta mère, Lars. À cause de toi. Qui pourrait t'aimer? Mort, papa, non. Maman? Ne pars pas, ne le laisse pas, pardon. Papa! Non, ne pars pas. Tu comprends à présent? Le monstre, ce n'est pas mon enfant. C'est toi. Non, comment aurais-tu pu te lier d'amitié avec une forêt remplie de monstres? Parce que tu es exactement comme eux. Tu as laissé mourir ta famille. Il avait besoin de toi. Tu les as tous déçus. Oh non, c'est faux. Mesure maintenant l'étendue de ton échec. Échec de la vie. Tu croyais pouvoir sauver ton frère? Vous vous trompez. Quand j'ai éveillé les gardiens, j'ai vu mes souvenirs. Mes vrais souvenirs. Depuis tout ce temps, je me trompais. Maintenant, j'ai ouvert les yeux. Je ne pouvais pas me tromper. Ça ne s'est pas passé comme ça. C'est vrai que je n'ai pas trouvé ce téléphone. Et même si je l'avais trouvé, ça n'aurait rien changé. Il était déjà trop tard pour maman. Elle le savait. Alors c'était son dernier cadeau. Je ne vous le laisserai jamais.
Lars? Ok, Lars est ton ami. Aide-le, prouve-le, prouve-lui qu'il se trompe sur ton camp. Ok, qu'est-ce que tu fais? Ok, non, nous avons presque fini. Non, Loki. Loki, pas être humain. Pas blessé, ami. Aide Lars, Loki, arrête là. Sauvé, ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas pour le téléphone. Oh. Viens dire bonjour à ton frère. Lâche. Dis bonjour à Lars. Lâche. Maman, tu me manques. Ça va aller, mon petit Tom T. Ah. Je sais que tu feras une bonne sœur. Promets-moi que vous vous entraiderez. Oui, maman, c'est promis. Je t'aime, Tove. Maman. Et moi aussi, adieu, maman. Puis-je? Qui? Fais de nouveau toi-même. Oh, Lars. Lars, ça va? C'est quand qu'on rentre, Tove? C'est maintenant, petite tante. Attends, allons. Rocky. Qu'as-tu fait? Non, Rocky, non. C'est là pour rien. Mon sacrifice pour rien. Je voulais t'offrir une vie nouvelle. Tu me trahis, pourquoi? Yes. Tu sais, tu arriveras dans cet état. Ok, fais ami. Ok, pas monstre. Les totems. Misérable créature, que faites-vous ici? Vous venez assister à ma mort? Peut-être me narguer? Silence, sœur. Ne m'appelez pas sœur. Vous avez rejeté. Vous auriez pu nous aider. Regardez-les à présent, il est maudit à jamais. Sœur, nous n'avons pas été là pour toi. Nous n'avons pas été là pour ton fils. Nous sommes désolés. Peignez des excuses alors que je... J'agonise. Vous n'avez pas changé. Vous n'aidez personne. Quelqu'un nous a aidés. Quelqu'un nous a montré à nouveau la force. Quelqu'un nous a montré à nouveau la bravoure. Quelqu'un nous a montré qu'il ne faut pas craindre le changement. Puis nous, il est temps que nous partions pour l'autre royaume. Tous ensemble. Ensemble? La forêt ne peut plus être sauvée que par l'absence des Jotnar. Libère-le, ma sœur. Ok? Le jeune dieu doit découvrir sa propre voie. Le jeune dieu doit apprendre. Le jeune dieu a besoin de sa mère, le libère. Ce que tu veux, Rocky? Oui. Bah, peut-être ai-je eu tort. Je te souhaite de trouver la vie que tu mérites. Tout ce que je voulais. Mais nous, ma sœur, le moment est venu.
Ah. Ah, pas. Ok, mes frères et sœurs, en raison. C'est la meilleure chose à faire. Pardon pour les souffrances que je t'ai causées, mon enfant. Adieu, mon fils. Oui. Ce jour ici prend fin avec cet hiver. Et une vie nouvelle renforcera la forêt au printemps. La forêt te reste ouverte. Puisses-tu y vivre bien des étés. Adieu, puissance Tové. Merci de nous avoir montré la voie. Ils sont partis. Tu vas regarde le portail. Vite là, avant qu'il ne se referme. Rocky. Passons Rocky. Et en Rocky. Rocky. Un jeu de Polygon Treehouse. Un autre jeu terminé sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah! Toi, arrête de chialer. Garde la fin. Faut quand même l'indiquer dans les jeux terminés. On va prendre du lait au chocolat en temps. Quitte jamais. J'aime les deux laits, par exemple. De Star Wars, il était infinissable. Moi, je bois pas de café. J'ai jamais bu de café. Je bois des cappuccinos glacés, c'est pas vrai. Bon. Je me demande si le jeu. C'est marqué UK. Mais normalement, ça n'est plus comme. Suédois ou norvégien. Lars! Lars! Lars? Où es-tu? Allez, viens dîner, petite tante. La faim.
Et comme le début. Tu peux manger des œufs. Non, papa cuisine quelque chose de spécial. Sandwich au roll-up. La dernière à la maison mange la part de l'autre. À vous après, partez. La rédemption. Nouvel insigne débloqué. Il n'y a pas de corbeau, cependant. Papa! Hey, papa! Papa! Tu veux jouer à cache-cache, papa ours? Oh non, papa ours est fatigué, il a l'estomac qui gronde. Comme un grizzly. Mais ça valait le coup attendre de voir le résultat. C'est terminé. Toute la maison. Aujourd'hui même, très rustique. On peut sortir un bol de porridge? C'est déjà fait. Viens, le repas t'attend. Je vais vous faire goûter une nouvelle recette. Oh. Assez d'aventure pour aujourd'hui, d'accord? Alors, okay. Allez, rentrez. Rentrons, voyons. Rookie! Rookie. Appuyez sur A pour continuer, ou plutôt terminer. C'était tout pour le jeu magnifique de Rookie. La chaîne Caribou. Canadien. Oh yeah.